J'ai récemment rejoint le service public après avoir travaillé des dizaines d'années dans le privé. Et c'est vraiment trouver, redonner du sens à mon travail au quotidien dans un domaine technique qui me passionne. Ce qui pousse les gens à postuler chez nous, c'est justement ce sens que nous parvenons à donner dans nos emplois, dans nos postes. Ce sens pour pouvoir justement contribuer à la collectivité, à contribuer au bien commun. Personnellement, l'importance pour moi d'exercer ce métier, c'est vraiment la protection de l'environnement, de la nature, avoir un impact pour la société future. Moi, ce qui m'a vraiment surpris en arrivant à la direction d'un barrage réservoir, c'est finalement l'autonomie qu'on a, la confiance qu'on a. Il y a une grande responsabilisation des équipes, ce qui est plutôt très très positif pour mener les missions qui sont les nôtres. Vraiment, le travail en équipe, c'est une façon de travailler, c'est un art de travailler. Je travaille avec des collègues de tous les domaines, de tous les profils. Je peux travailler avec un garde forestier comme avec un ouvrier de chantier ou avec un gestionnaire de projet. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est rencontrer des gens différents. J'exerçais auparavant dans le secteur privé et j'ai souhaité rentrer dans la fonction publique afin de trouver un meilleur équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, mais également de trouver beaucoup plus de sens à mon métier. Donc il y a une politique très 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 chouette à niveau des télétravail, à niveau des congés pour garder les enfants. En termes de flexibilité, vie professionnelle, vie privée, ça permet véritablement de trouver son équilibre. Par rapport à des autres métiers, et pour les avoir expérimentés par rapport au privé, ça n'a rien à voir. Pour moi, les valeurs qui me sont chères dans mon service public, c'est évidemment le service aux citoyens, c'est la transparence de nos démarches, mais c'est avant tout l'empathie, la compréhension de l'autre, que ce soit mes collaborateurs ou mes citoyens.